Encore une fois, une petite vidéo d'introduction, décidément, c'est l'habitude. J'ai encore gaffé. Là, je suis désolé, j'ai juste oublié comment dire, de record la première partie de l'épisode. Je pensais avoir appuyé sur ma macro. Visiblement, ça l'a pas fait. Là, je peux rien faire. On peut pas retourner au début. Donc, je vous remets dans le contexte. Après avoir eu un Carnosaur. Eh ben, on voulait des raptors, parce qu'Alan était amoureux des raptors. Donc, du coup, on est parti à la chasse aux raptors. On a trouvé deux raptors, et moi, je viens juste de mourir. Je viens juste de mourir, en fait. Donc, Alan s'occupe des deux raptors, voilà, il va à droite, à gauche, chaque fois pour un raptor. Moi, je viens juste de mourir, donc je vais revenir à la base, de la base, pour s'occuper de mon raptor et éviter qu'il s'enfuit. Donc voilà, donc on vient juste de trouver deux raptors, il y a à peu près 17 minutes de vidéo, je vous laisse profiter, les gars. Moi, je vous dis à la prochaine, épisode 7. Profitez bien. Ciao. Yo les gars, nous voilà. Donc moi je suis mort deux fois à la nuit. Une. Et donc là le mien apparemment est presque fini de tame. Alan s'en est occupé un peu parce que je suis mort et donc du coup fallait qu'il me nourrisse. C'est juste à temps hein, apparemment. Et donc moi je vais les récupérer. Je vais d'abord m'occuper de mon dino et après aller récupérer mon staff. Il est là, tiens, regarde. Occupe-toi du dino. Hein. Donc. Là, il est là, tiens. Ouais. Et le tien? Tu t'en Le mien occupes? est en dessous, voilà. Et attends, je suis mort vers mon feu moi, non? Ouais. Enfin, juste à côté. Bouge pas. Et le mien est bientôt terminé aussi. Parce que je sais plus où il est mon feu et... Il est en bas de la colline normalement. Donc c'était assez tendu, on est arrivé avec Alan, j'ai chopé en ptérodon, on a fait un voyage accéléré. C'était Ah, marrant. Je pense que c'était marrant à voir. Ça fait comment d'ailleurs quand tu te fais choper par les cerfs? bon, en fait, tu vois, c'est mal fait parce que tu vois juste les pieds en fait. Ah, par contre, il me faut de la bouffe. Putain, j'ai plus d'eau, j'ai plus rien. T'as plus d'eau? Bon. Tiens, tu as dû me voir passer en 2-2. Ouais. Attends, je suis Bianco là. Oui, ça c'est mon stuff aussi. Voilà. Hop, là-dedans il y a quoi? Ah, Alan vient, il y a deux viandes là-dedans. Ah, si, merde. Tiens, je t'en drop deux. Pot of fire. Moi je vais m'occuper de mon dino, occupe-toi du tien. Ça c'est nickel, là ça se déroule à peu près comme prévu. Donc je dis bien à peu près les gars. Parce qu'on a quand même merdé. Enfin j'ai merdé deux fois moi. Bah, en fait, c'est moi qui ai merdé, quoi. Mais bon. Parce que en gros on vous explique. On était sur. Il avait l'aggro des dinos et il pouvait pas nous rejoindre là où on était, on était dans Bah, l'espèce de. non, explique depuis le début. En fait, si vous voulez, j'ai le dino que le raptor que Nathan a foutu inconscient, il était level 12. Et il avait déjà mangé deux viandes et j'ai vu que ça montait pas du tout comparé au petit raptor qu'on a eu par la suite. Et bah, j'ai décidé de d'aggro les deux autres pour pouvoir en avoir un de niveau 1 en fait. Il faut savoir que plus le niveau est petit, plus c'est rapide en fait à l'avoir. Donc j'avais pas envie de passer forcément. Encore 3 heures comme sur le Voilà Carno. exactement. Même un peu plus que 3 heures. Voilà, il est quasi terminé. J'ai perdu le mien. Pourquoi t'as perdu le mais non, avance. Je sais pas où il est. Je sais pas où je l'ai tame. Ah, il est là. Voilà. J'ai plus de bouffe. Voilà, Ah encore une putain. bouffe et il a fini. Mais attends, c'est simple, je vais faire cuire de la bouffe dès que le mien il a fini. Tac. Attends, tu sais quoi? Je vais prendre des baies. J'ai bouffé max de baies. C'est quoi qui m'a gros? Évite de mourir. Ah, voilà. Voilà le retour de Jet 27. Là, j'ai une musique d'aggro, gros. J'ai pas Ouais. compris ce qui m'est arrivé. Ouais. Stack à la selle.
Ouais. Déjà, je vais être en neutral et tu vas me follow. Je vais t'emmener dans un endroit. Je vais nous ramener au feu, ce sera plus simple. T'es en train de tuer quelque chose là. Non. Et ton dino, tu devrais pas t'en occuper? Si, mais t'inquiète pas, il y a assez de trucs. Il est où le feu de camp? T'es en face là. Comment ça, je suis en face? Bah, continue tout droit, gros. Là. Ah, il est là. C'est ton dino, il est terminé? Ah ouais. Ah putain, je viens de me faire attaquer par je sais pas quoi là. Ah mais c'est mal foutu leur truc, la musique de merde là. Ouais, c'est bon. Mon dino il s'en est occupé. Ah il m'a détruit le feu! Oh non! Putain! Alan il a détruit le feu le machin. Est-ce que j'ai de quoi en recrafter un? De feu. Ah, il va manquer de la stone, bah oui. Seulement je trouve où moi les 7 stones. Ah oui, je sais que je suis starving. Tu m'apprends rien, Coco. Il te reste de pas mal de viande ou quoi avec toi? Des viandes crues? Ouais. Ouais. Ok. Ton ouais. dino est... Non, non, c'est... J'ai un peu de bella sur moi. Attends, mais moi je vais revenir là où t'es, où il est ton dino à toi. Attends, parce qu'il y a Gin Tonic qui est là-bas, il va se faire chier un peu. Toi, level 1, c'est super rapide par contre. Hein. Y a pas à chier. Ouais. Hop. J'arrive avec ma clique. Bah tiens il est bel hein. Il est où ton dino? Ah, bien tu viens. Tiens un médecin. Je suis un feu de camp sur patte. Ouais. Ah, le tien est aussi presque terminé, ça fait plaisir. Ouais. Tu penses qu'avec mon pteranodon, je peux choper mon jet? Ouais, je pense, mais je suis pas sûr. Hein. C'est quoi? Laisse-moi la bouffe, hein, parce que moi je suis en train de mourir de faim. Le tien est presque fini aussi. Merde. Touche pas à ma nourriture. Tiens, prends. Il y a une bouffe dedans. Ah, nickel. Ça touche pas, ça, c'est du truc à jeter. Attends, c'est une femelle ou un mâle? Femelle? Et ça, c'est quoi? Un mâle. Eh ben, on va pouvoir. Vous accoupler plus tard. Voilà, faut qu'on ait qu'un. C'est quoi? Je vais essayer de choper mon dino. C'est toi qui as éteint le feu? Non, non. Est-ce que ça lui fait du mal? T'as pas du tat? Du touch? Ouais. Si t'en as, tu peux le mettre. Tiens. T'as le mec qui me balance ça comme si c'était de la merde, tu vois. Non, je peux pas le choper. Je peux pas le Ouais, choper. c'est moi que t'as chopé là. Pose-moi là. Non, mais j'ai horreur de ça, gros. Bon bah du coup je dois faire attention à mon. Attends. Bah en revenant, je vais devoir faire attention à mon. Oh quoique, et toi comme tu vas revenir en à dos de Raptor, Ouais, je peux le prendre. tu veux pas le prendre Ouais, je en peux. follow?
Allez, plus que quelques secondes les gars, donc là vous avez commencé à être habitué un peu à comment apprivoiser un animal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas comment faire et tout, c'est la Bah première toi, question qui est posée. de toute façon, je pense que tu feras des tutos, hein. Ouais, non, il y aura des vidéos tuto annexes assez simples. Mais là pour l'instant je pense que c'était assez habitué avec nous entre un Carnotaurus et là maintenant des Raptors. Maintenant on va pouvoir s'éclater, en plus moi je suis level 25, 35, 34. De toute façon, les gars, dès que vous commencez le jeu, le meilleur c'est Dilo. Ensuite, c'est automatiquement le Raptor. Level 15, le Raptor en plus. Level 15 en plus, je crois que c'est là où vous débloquez les flèches anesthésiantes, si je dis pas de bêtises. Et le Raptor est vraiment intéressant parce qu'il a un gros casque, il est super rapide, il saute, et il porte pas mal de choses. Tiens, tu sais quoi? Siffle-le mon dino. Tu le regardes et t'appuies sur T. Ouais, mais je sais, je suis pas con quand même. Voilà. Moi du coup j'ai fait un caca en l'air. Je savais pas par contre que le touch ça marchait pour allumer les feux, tu Si, vois. si, si, si. C'est super pratique quand t'as pas de bois. T'en veux un peu? Ouais. Oh putain merde, je l'ai bouffé. Je l'ai fait D'accord. machinalement. Non, je l'ai fait machinalement, c'est ça le pire. Attends, on peut en faire cuire un peu si tu veux de mon pteranodon pour toi, y a pas de soucis. De toute façon, il a pas besoin de bouffe ton terrain. Ah bah voilà, normalement, ça devrait être bon là. Non, Non? encore une bouchée. Ouais, encore une bouchée, dommage. Quel bâtard. Moi j'ai pas vu mes stats au mien. 166 de mêlée dommage. Bon, c'est déjà un Et bon t'as vu? début. Toi, il a une crête orange. Et moi, c'est vert. Ouais, mais c'est pour identifier les sexes. De ce que j'ai compris, c'est ce qu'il disait en ligne. Je sais pas, lève la jambe. Eh, tu sais quoi, je reste à côté, comme ça me fait l'XP de du tame. Ce qui me manque, il me manque 18 XP en fait pour passer au level supérieur. J'ai des rollbacks, mon gars. Tu sais que tu peux déjà lui mettre la selle hein, si tu veux. Non, 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 mais je préfère attendre qu'il soit debout, tu vois. Ça fait genre cérémonial. Ouais. Voilà. Donc là, c'est pareil. Le nom, vous le choisirez en commentaire. Allez. Bon, on se rentre. On se rentre, non? Non mais. Tiens, oublie pas, dans le feu, il y a de la viande pour toi là, non? Ouais, de la viande pour moi. Ouais, moi j'ai vu un bruit Skype, je sais pas d'où ça vient. Il y a de la viande pour toi. Allez, on se rentre. Tu fais attention à mon dino, hein, surtout. Hein. T'inquiète. Non mais je suis sérieux. Tu fais vraiment attention. S'il meurt, de toute façon, c'est de ta faute. Je m'en fous. Demain matin, quand je me reconnecte, demain soir, enfin ce soir, j'en veux un autre. Si tu jamais tu le tues. Bon, on va se rentrer tranquillou les gars en pteranodon. Ça c'est le bon, c'est le bon. Ça c'est un bon kiff ça. On est à l'abri de toute attaque et tout. C'est vraiment tranquillou. Le seul moment où on peut se faire attaquer, c'est quand on pose au sol. Et c'est pour ça qu'apparemment avec l'Argentavis, c'est plus pratique quoi. Espèce d'aigle comme tu dis. Ah, parce que la stamina remonte quand tu stack. C'est plutôt pas mal effectivement. Pour l'instant on n'en est pas là. Je suis très content avec mon pteranodon, avec Gin Tonic. Hop là. On peut couper même à travers mer là, je sais qu'il y a assez de. Ça court vite hein, cette merde. Ah ouais. Il y a beaucoup de stamina hein. Retourne-toi de temps en temps pour pas le perdre. Non, t'inquiète pas. L'air de rien, on commence déjà en une soirée, enfin une petite nuit. On commence déjà à avoir un début de tribu intéressant. Bah là, on a du bon stuff niveau animal hein, mon gars. Hein. En train de carpo. Voilà les gars. Voilà, si ça c'est pas nickel, on a Poulette level 12, Gin Tonic level 13. On a Vodka level. Ah, Vodka en plus qui est passé de level. Donc on va lui augmenter son. Hop là. Vodka qui est passé de level. On a point d'interrogation qui est pas encore passé de level, mais je pense qu'on va lui augmenter ses points de mêlée. Ouais. Et sinon, moi j'avais un petit mec là-bas, un petit cum, qui s'appelle Shooter. Vous avez compris que c'est un petit jeu de mots quand même. Parce qu'il est gros et donc, du coup, bah, voilà. Donc Shooter, est-ce qu'il a passé de level? Non, Shooter n'a pas passé de level. C'est triste.
Par contre, c'est effrayant les bruits de raptor, gros. Ouais? Ah oui, ça fait des bruits, mon gars. T'es loin de la base encore? Non, 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 je suis plus très loin. Parce que moi, c'est vrai que je suis rentré quand même assez vite en terrain de long. Je vais ranger les graines pendant que j'y pense. Les narco, les steam berries, là, on les jette, ça sert à rien, ça. C'est de la connerie. C'est comme le made in China. C'est de la connerie. Hop, vous avez remarqué en fait que ça sort par la bouche, hein, il vomit. Toujours pas converti en fertiliseur, ça. Hop, pas possible, je suis enfermé chez moi. On aura fait une belle petite nuit là, non? Ouais, j'avoue. Du coup, je vais arriver mais complètement patraque à mon stage. C'est pas grave. Moi, si jamais on me demande pourquoi t'es fatigué, bah, je dirais les gars, hey, calme, j'ai un carnot. Ouais, un Carnot, un Raptor. Ça, c'est mieux que tes chiens et tes poissons rouges. C'est le mec qui sonne des poissons rouges. Tiens, un cadeau. Comment ça, cadeau? Tu le rentres dans l'enclos? Tiens, je mets un deuxième lit à l'étage, comme ça, si jamais on meurt tous les deux en même temps, on pourra respawn sans les 5 minutes d'intervalle. Tiens, il est là, le tien. Tu l'as rentré? Non, non, non. Eh, en plus, ils sont... Eh, Alan, ils sont made boosted! Bah oui. On les a capturés en même temps. C'est d'art! Vas-y, tu peux les faire rentrer si tu veux. Putain, c'est tellement la merde, mon gars, pour pas pouvoir mettre. Tiens, voilà. Ah, tu gardes le tien, toi. Ouais, je garde le mien, moi, je m'en bats les couilles. Bon, là, je crois qu'on a pas mal de dinos dans l'enclos, c'est pas mal. Ça commence à avoir de la populace, tout ça. Je vois. Si on regarde dans le trou, là, on a une poulette, un pteranodon, un tricératops, un carnot. Le carnot, c'est quand même celui dont on est le plus fier, je pense. Hein. Bah, 3 heures, mon gars, une nuit complète. Hein. Moi, dire que j'ai trouvé 1 h 30 super long pour le pteranodon, 3 heures. Surtout c'est pas ça le pire, c'est que moi en 1 h 30 c'était speed parce que à chaque fois je devais aller chercher de la viande et des darko. Toi t'étais sur place, tu devais juste t'occuper de lui. Là c'était la merde, perso. Ah, putain. Par contre, hey, les gars, faudrait que je pense à faire le deuxième étage de tâche parce que sinon vous avez vu on peut passer au travers en sautant. Et ça c'est pas cool. Ok. Bon, épisode un peu court je crois, je me rends pas compte. Mais on espère quand même que vous avez aimé. Bon, nous on a Dundo Raptor, croyez-nous qu'on va s'amuser avec, on va les faire level up à mort. Ouais, je vais commencer d'ailleurs, je vais commencer aujourd'hui moi. Et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine, lâchez votre pouce bleu surtout, lâchez votre pouce bleu les gars. Et n'hésitez pas aussi à commenter pour le nom du Raptor. Exactement. Et si ce n'est pas fait, le nom du Carnot. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous surtout, abonnez-vous. Voilà, exactement. Vous ratez plein de choses sinon, ratez plein si de choses. Si ce n'est pas fait, donnez votre numéro de carte bancaire aussi. Si ce n'est pas fait, bien sûr. Voilà. Et de préférence avec les 3 chiffres au dos aussi, la date d'expiration. Voilà, exactement. Et si on pouvait avoir un petit rib à chaque fois, ce serait cool. J'avoue. Super. Bon, sinon aussi, ce qui nous intéresse, c'est vos dates de vacances et votre adresse. Bon, allez, sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.